Shalom, shalom, peuple de Dieu, voilà, nous sommes là devant la bien-aimée Ève, Ève soit fortifiée, la bien-aimée Ève vient de loin, pendant les prédications et les prières fortes, elle est tombée et l'esprit de Jézabel s'est manifesté, en plus de l'esprit de Jézabel, l'esprit des sceaux, travaillant avec l'esprit de Jézabel, a avoué que elle était l'une de leurs agents, alléluia, et donc le décret était de la pousser à se débaucher, à se dépraver, à tomber dans la prostitution. Alléluia. Et évidemment, ça avait commencé, ce décret-là avait commencé dans sa vie. Chut. Alléluia. Amen. Et l'ennemi a lancé sur sa vie un lot de souffrances. L'ennemi a tué son père, a tué son propre frère, et a poussé ses sœurs à la détester à mort. Et vraiment, c'est la mort dans l'âme avec beaucoup d'amertume que le Seigneur a permis qu'elle vienne nous rencontrer ce soir. Et comme je le disais, pendant les prières, au début des prières, l'esprit de Jézabel s'est manifesté. C'est l'esprit de Jézabel qui l'a poussé à se décaper la peau, comme vous le constatez. Et je peux le dire, aucune femme, aucun homme qui se décape la peau ne pourra hériter du royaume des cieux. Et tous ceux qui se décapent la peau sont animés de l'esprit de Jézabel. Alléluia, elle est déjà très belle naturellement. Mais l'ennemi a avoué que son père est allé dans le monde des ténèbres pour consulter. Et c'est comme ça qu'elle est venue au monde. Et ils ont dit que c'est leur fille à eux. Nous avons révoqué ces malédictions sur la vie. Alléluia. Amen. Et nous savons que Ruth, malgré la malédiction qui condamnait les Moabites et les Ammonites, le Seigneur va faire de Ruth une exclusion en lui donnant accès à son ciel royaume. Et c'est le cas d'Ève. Alléluia. Amen. C'était un combat ici. Amen. Jézabel ne voulait pas la lâcher. Et le démon Esau n'a pas manqué de dire qu'il y a une légion de démons dans sa vie. Et il y avait une programmation d'adultère, ce qui fait que les hommes mariés ne pouvaient pas la résister. Dès qu'ils la voyaient, ils garaient leur véhicule, ils l'approchaient, ils la draguaient, ils allaient avec elle. Mais aujourd'hui, le Seigneur a révoqué toutes ces malédictions dans sa vie. Et elle a pris la résolution. Le livre de Job 22, verset 28 dit, « À tes résolutions répondra ton succès. » Alléluia. Et elle a pris la décision aujourd'hui de renoncer à ses faux cheveux, à ses cheveux défrisés, de renoncer au monde. Jean 1 Jean 2 verset 15 dit que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Je vais renchérir pour dire, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Amen. Et
Ève, l'ayant compris, a décidé de renoncer au monde et à ses passions pour s'attacher à la vie éternelle, selon le livre de Jean 3, verset 16. Amen. Toi aussi qui vis des oppressions, toi aussi qui vis des attaques nocturnes, toi aussi qui es combattu par le monde des ténèbres, par le monde des eaux, par le monde du soleil, par le monde de la lune, par le monde des étoiles. Amen. Je t'invite à prendre attache avec nous. Demain, nous serons ici, à la maison des jeunes, de 18h à 23h pour une nuit veillée. Nous t'invitons à prendre part. Tu as Dapaon, tu as Saint-Cassé, tu as Sokodé, tu es dans les quartiers de Kara, où tu es allé dans les environs de Kara. Nous t'invitons à venir prendre part à cette veillée de prière, de puissance, de guérison, de délivrance, qui aura lieu de 18h à 23h. Alléluia, viens. Assure-moi, le Seigneur va te faire grâce. Regardez ce long de cheveux-là. Voilà comment le diable lui a volé sa gloire. Souvent, tu avais mal à la tête. Tu avais souvent mal à la tête. Tu avais mal aux yeux. Voilà, voilà ce que les faux cheveux et les mèches ont provoqué. À cause de cela, regardez, l'ennemi a dit, pendant la délivrance, qu'ils lui ont cassé l'œil à cause de ça. Et elle m'écoute-moi bien. Et mute était la grâce de Dieu. Regardez, elle a même un filon sur l'autre œil. Et ils ont dit, ils ont commencé à casser, à attaquer l'autre œil. Mais le Seigneur a retiré le mal de ses yeux. Vous voyez, elle est très belle. Mais l'ennemi, à cause des faux cheveux, lui a volé une partie de ses yeux. Et toi aussi, à cause de faux cheveux et des mèches, tu as constamment mal à la tête. Ça te rend malade. Et tu ne comprends pas que ces choses ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Même à l'école, les proviseurs, les fondateurs d'établissements scolaires interdisent formellement à la jeune fille de venir avec des faux cheveux. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les faux cheveux rendent les jeunes filles moins intelligentes. En plus, ça les rend attractifs. Amen. Lorsqu'elles mettent des faux cheveux, les jeunes garçons, même les professeurs, commencent par les draguer. Et eux qui ne sont pas serviteurs de Dieu l'ont remarqué. C'est pourquoi dans la plupart des établissements scolaires, en tout cas en Afrique, il est formellement interdit aux jeunes filles de porter de faux cheveux. De mettre les cheveux de frisés et de garder les cheveux gras. Alléluia, ou de garder leur afro. Bien-aimé, je t'interpelle au travers du témoignage d'Ève. Elle va nous donner son témoignage, assurément, samedi ou le dimanche à la fin du culte. Alléluia. Toi aussi. Oui, on oui elle a aussi dit quelque chose, m'a beaucoup touché. Elle dit lorsque elle met les mains sur la tête comme ça qu'elle dort, elle songe, et dans le songe, elle constate que les mains sont les serpents sur la tête. C'est vrai ça. Alléluia. Tu peux revenir là-dessus, s'il te plaît. Voilà, à chaque fois que je mets, depuis ma conversion, depuis quand j'ai donné ma vie, je fais les mèches, je lève des serpents. Et c'est différent. C'était plus physique, ça, je sais que physiquement, sur ton corps. Et j'avais des étranglements, mais tout. Comme quelqu'un venait te strangler dans la nuit. Jésus. Je me retrouvais des fois au cimetière, des fois. Dans les eaux. Je me retrouvais. Au cimetière. Au cimetière, des fois à la morgue. Et j'ai que les ténèbres dans ma chambre, des fois je ne suis pas allée dormir ailleurs. Des fois, toujours les mèches. J'ai l'impression, en plein sommeil, ça me dit qu'il y a les serpents dans ma chambre. Bien sûr. Ça traverse, des fois, je le vois traverser ta chambre. Ça traverse, ça dépend des couleurs. Si c'est loin, je vois que les serpents dans ma chambre. C'est-à-dire, en fonction de la couleur de tes mèches, tu voyais les serpents qui avaient ces couleurs de mèches-là. Jésus. Des fois, quand je prie, et j'attends la voix me dit, je ne reçois pas ta prière parce que ta tête est remplie de serpents. Jésus. C'est comme ça. À chaque fois que tu priais, Jésus, tu entendais la voix du Seigneur qui te dit, je ne reçois pas tes prières parce que ta tête est remplie de serpents. Il n'y a que des serpents dans ta vie. Jésus. Et que j'ai tout au fond de mon cœur et je commence pas à voir. Prends le téléphone, fais des photos rapidement. Maintenant, quand je lis la parole de Dieu, je dors. L'esprit vient, confond. Voilà. C'est ça que tu voyais. Oui. Tu es ici. Et quand je lis la parole de Dieu, un esprit vient comme toute la parole de Dieu dans mon cœur. Et tu oublies tout ce que tu as médité. Et je sens, il retire la parole de Dieu comme ça, dans mon cœur. Et je me retrouve sans, alors que c'est ça qui me donne la vie, ça qui me donne la joie. Parce que je suis vraiment à la base, tu sais que tu es prophétesse de l'Éternel. Tu le sais. Tu sais que le Seigneur t'a donné le don de prophétie. Pour le dire à veiller parce qu'il a dit qu'il allait tout faire pour que toi, tu ne serves pas Dieu. Très bien. C'est ce que l'Esprit des Sœurs a dit tout à l'heure. Il a dit qu'ils vont tout faire pour que toi, tu ne serves pas Dieu, que tu te débouches, tu te prostitues. Parce qu'eux ne veulent pas que tu accèdes au ciel. Tout le monde était là. Tu penses que beaucoup ont suivi ce qui s'est passé. Tu viens de moi, ma fille. Sois fortifié. Sois fortifié. On va te plonger dans les eaux. On va plus ces oppressions. En tout cas, porte
te sanctifie. Esprit, corps et âme, tu verras, tu n'auras plus de pression. Tu auras une paix. Alléluia. Et tu pourras mieux servir le Seigneur en esprit. Alléluia. Je crois aussi que tu chantes. Tu as sûrement une grande prophétie. Bon, ça, tu ne le sais pas, mais c'est sûr que le Seigneur m'a révélé. Alléluia. Je fais aussi des rêves. Mmh. Tu as fait des rêves. Je fais des rêves qui se réalisent. Oui, alléluia. C'est déjà bon signe. Homme de Dieu, vous avez dit ici que au cours de la délivrance, il y avait une soeur. Qui te déteste comme moi. C'est vrai. Je suis la Benjamin, ma soeur. Je sais que c'est pas elle. Mais c'est le diable. Le diable nous a dit que c'est eux qui font ça, qui mettent de la haine dans le cœur contre toi. Pour que tu sois seul. Je suis seul. Ah bon, ça va être dimanche, on va prendre son dîner samedi, on va venir ici. Voilà, on va prendre son dîner. Tu prends ça, après tu prends ça, tu prends là quelqu'un, tu prends, tu mets pas j'ai tu prends, tu vois, quand tu vas aller, ça va se sentir au canard. Tu vas voir ton mari. Allez, ça fait quoi, fait deux, samedi. Non, on va partir. Attends, tu es là, tu peux pas l'aider.